Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel de retour sur Spyro's Adventure, le premier épisode de Skylanders en compagnie de mon ami Guilhem. Bonjour à toutes et à tous. Et avec donc Chacal, t'entends le bruit qu'il fait, et Chacal alias... Il se prépare à chanter, c'est un exercice. Trigger Happy, et toi Balrog alias le vrai Spyro, avec son petit chapeau. Et on va mettre aujourd'hui Terabyte avec nous dans notre équipe. Voilà. Il est trop mignon. Je sais pas ce qu'il fait, est-ce qu'il attaque vraiment, enfin j'ai jamais vraiment vu. C'est pas grave, on continue. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va continuer, il faut qu'on aille récupérer de la super huile graisseuse auprès de je sais pas où, et ce général robot qui va nous dire on les... Ok, ok. Limon. Ah oui c'est ça, c'est l'usine du limon. C'est ça qui permet de bien graisser, c'est de plus en plus ténébreux. C'est fabriqué en écrasant du limon. Ouais, sûrement. Non mais la frontière entre le monde des Skylanders et Pokémon elle est hyper gigante. C'est comme dans Secret of Mana. Voilà, merci. Franchement on a les mêmes références quand même, je suis fier de nous deux. Allez, l'usine de limon, on revient en arrière comme d'habitude. Bien, yeah, tu es de retour. Tu es de retour. Le capitaine Snowcat, il a changé de chapeau. Très impressionné par ma première mission. Alors, me revoilà. C'est vrai qu'il a quand même les intonations de Samy. Hein. Oui, c'est vrai. On a réussi à s'approcher des usines des trolls. C'est peut-être le même doubleur, hein. Voilà, peut-être, pour le coup. Le capitaine a pris une unité avec lui, mais on ne l'a pas revu depuis Il nous vaut combien, ton Balrog? 3. Je dois rester pour défendre cette position. Moi, je suis niveau combien avec Chacal? Tu dois le retrouver, 7. Il sera déjà prêt. Ah ouais. Bah, c'est... Ah bah, on peut pas retourner. Super. Les Skylanders liés à la Terre sont plus puissants ici. Ça va faire un peu tranché. Oh là là, il m'a les dents. Ok. Alors, on va lire tranquillement, poser à côté de moi. Il y a une porte de l'air les là-bas. Les trolls vivaient sous les ponts et forçaient les passants à leur payer un droit de passage. Ah oui, c'est vrai, en dans réalité, la mythologie, il me semble que c'est un truc comme ça, ouais. Franchir, en leur donnant des boutons à la place des pièces. Ouais, si, dans la mythologie les trolls ont finalement dit, abandonné quoi, cette pratique. Bon. Et on... Je veux dire d'une histoire comme ça, ouais. Regarde, boum pour toi. Allez, boum. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, il faut aller. Oh oh. C'est bon, ça. Ok, donc on va aller voir l'autre côté. Ok, 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 il y a trop de rire. Ok. Ouh, c'est qui fait mal, hein. Oui, 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 oui. Ok. Mais non, oui. Je vis pas droit, moi, j'ai un problème. Ouais. De toute façon, moi, j'ai même pas attaché la dragon, donc ça aussi, ça fait du bruit chaque fois que j'agite. Moi non plus, je l'ai pas attaché. Ouais, ça va, c'est pas comme si on jouait à Wii Tennis. Hein. Il m'en voudrait, ouais. Spyro, si j'attachais une dragonne. Oh. Oh. C'est tellement honte de moi. Oh. Oh. Je n'esclavagise pas les dragons. Je vais te couper au montage. Ah non, il m'a saoulé, là-bas, d'avance. Ok, on a trouvé le capitaine Mab. Salut, Skylander. Ça fait du bien d'être au cœur de l'action, pas vrai? Avant, j'étais fleuriste. Mais j'ai ensuite créé la force de défense Mabou, et je me suis nommé capitaine. Maintenant, je fais exploser des trucs. C'est la belle vie, crois-moi. Bah ça, je veux ouais, pas heureusement que c'est la guerre, hein, parce que tu ferais en quoi quand il y a plus la guerre. Les usines principales sont juste de l'autre côté. Mais ces tourelles nous bloquent l'accès. Ouais. Par chance, notre éclaireur a trouvé des méga-bombes dans le stock de munitions. Ah purée, à la fin, tout va exploser. Méga-bombes. Alors attends, donc... Tu devrais aller voir ça de plus près. Mais fais attention, l'entrée est protégée par de l'artillerie lourde. T'inquiète, on va tout faire. Essaye de trouver une méga-bombe, ça nous aiderait. C'est vrai, ça. Rapporte-la ici, et on transformera ce mur en tas de poussière. Ok, allez, au revoir, hein. Tu m'as saoulé. Seul un Skylander de l'air peut débloquer la porte. Alors j'ai qui de l'air, moi? Ah, j'ai lui. Voilà, Whirlwind. Et ensuite on ira dans le fond. Il a toujours pas redonné, non? Ah oui, c'est vrai, on va le faire. Après. Et toi, tu fais quoi? Ah, je mets tes poses, je te réinstalle bien. Voilà. Allez, on va le renommer tout de suite, comme ça c'est fait. Je suis pas sûr qu'il y a assez de lettres. Si. Largement. Largement. Je l'appelle en français, voilà, ça devient compliqué. Depuis, hein. Depuis le temps que l'on devait le faire. Je n'ai jamais regardé un seul épisode de My Little Pony, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. T'aimes bien préciser que t'es pas un brownie. Non, c'est juste que, effectivement, enfin,
J'ai jamais regardé parce que c'est pas... J'ai jamais eu l'occasion, quoi. Oh là là, je t'ai tiré dessus. Non, on rate peut-être quelque chose. Oui, c'est très bien, j'en doute pas sur l'instant. Les Skylanders, les galères, sont plus puissants. Non. Parce que, à la limite, ça serait un secret, je l'ai refait, mais là, en l'occurrence... Les Skylanders liés à la tech sont plus puissants. Mais on devait pas aller à un autre chemin d'abord, non? Oh, mais quelle surprise! C'est le Skylander qui a sauvé notre ville! Ah, il a le fameux casque qu'on avait la dernière fois. Bon, écoute, attaquer le mur est trop dangereux. Dans l'usine troll, là, qu'on avait galéré. J'ai trouvé un autre moyen d'entrer. Suis-moi! Ouais, ok. Alors, lui nous dit de le suivre, mais... Ok, non! Ah! Ouh, ok! Tu peux les taper. Ils m'ont pas vu. Ouais. Moi, il me faut rien. Pom, pom, pom. Je suis déjà mort, c'est pour ça. Non, mais c'est quoi ce favoritisme? Ça va pas du tout. Je tranche du cul alors que je suis un squelette. Comme dans l'attraction, il y a un squelette de pirate qui boit de l'eau et ça lui. Dans Pirates des Caraïbes à Disneyland? Ouais. Moi j'aime bien le jeu de cartes à la fin. Mais de toute façon, la façon a changé. Ça fait tellement longtemps que je travaille. Mais moi je suis. Allez. Ouais. C'est vrai. Et j'ai croisé Nutitus. Ouais. Et il était là avec sa caméra et son copain. Et du coup, à un moment donné, dans sa vidéo, je me suis vu au fond à un moment donné. Et ça y est, tout le monde va faire à la recherche de Bixel. Mais je l'avais déjà dit, il m'a dit, mais j'ai regardé tout. Mais franchement, c'est impossible de me reconnaître, en fait. Moi, je me suis juste reconnu parce que... Parce que je reconnais mes vêtements et je reconnais le sac que j'avais à ce moment-là. Et du coup, c'est trop drôle. Mais parce que le moment où c'est vraiment croisé... Tu sais, sur le coup, je fais mais c'est Newty Tuff. Et il était avec d'autres personnes aussi. Ah, j'avais même pas pensé qu'on pouvait casser le truc. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et du coup, j'ai regardé si à un moment donné, on voyait quand je le croise, mais à ce moment-là, il filmait pas. Et en fait, à ce moment-là, j'allais à la maison hantée. Très bien. Voilà, du coup, je pourrais dire que j'ai croisé Newty Tuff. Mais lui, il m'a pas croisé. Plusieurs fois dans la rue, comment il s'appelle déjà, Atomium. C'est vrai. Ouais. C'est cool. Une fois à Paris Games Week. Ok. C'est bien ça. Mais bon. Je suis pas un fanboy, je peux pas lui parler. Moi j'aime bien. Oui, moi j'aime bien, mais je vois pas l'intérêt d'aller lui parler. Oui, c'est sûr. Il est tranquillement en train de profiter de sa convention. Oui, c'est clair, c'est pour ça que moi, de toute façon, il était en train de. Oh là, je me suis fait exploser. Oui, moi je l'ai croisé, je suis pas. Je sais pas si c'est une plus, quoi. Ok, merci, bisous. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en vrai? Bah, c'est bon. Non. Bah non, oui, mais c'est le mur par lequel on est arrivé, c'est ça que je comprends pas. Attends, on va quand même aller explorer à gauche parce qu'on a pas vu ce qu'on faisait. Je serais passé à côté d'un coffre aussi évident. Bah ouais. Je comprends pas trop. C'est pour ça qu'ils ont mis du feu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a un bumper dedans. Ouais. C'est pour sûr de dire que c'est pas la frustration ultime. Allez, c'est bon, c'est parti. Ouh. Un peu pénible ce niveau quand même. Allez, quelle explosion. Bim bam boum. Allez, hop hop hop, je dis pas tout ce qu'il y a. Ah, il fallait. Les Skylanders et la tech sont plus puissants ici. Allez, on fait tout le. Ah. Seul un Skylander du feu peut Tu vas sortir un Sky du feu? Ouais, j'ai déjà prévu. Alors, attends. J'enlève le mien et je vais me remettre lui à toi. Attention au coup de feu. Voilà. Donc toi t'enlèves Chop Chop et tu vas nous mettre Fireman. Et que danse Fireman. Et que danse les flammes. C'est la version, c'est la manière belle de donner l'ordre au Pokémon de lui faire l'attaque danse là. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ok, aïe. Tu penses que c'est quoi, pas la bonne idée, c'est celui-là ou non? Ou pas? Ah oui, non, il faut faire ça. Il faut faire les deux, on n'a pas le choix de toute façon. Voilà. Ah non, j'ai même pas vu, c'est quoi mes trucs, hein. Vas-y, je t'en prie. Bon, mais du coup, c'est pas toi qui va pouvoir le mettre. C'est
C'est pas grave, j'en ai déjà un avec lui. Oh yes. Bon, je sais, ouais, j'ai pas lu le dialogue. Et voilà. Je crois qu'on a gagné. Merci Skylander. Grisot. On a sécurisé les usines, mais les trolls vont sûrement réagir. Vite, c'est des usines. Bon, général. On va l'attendre. Clandestin, oui. Prohibition. Non, mais t'as vu, en plus, moi je suis en mode shérif des années 30 là, c'est exactement ça quoi. Oh purée, un moustique. Ah. Il est dégueu. Oui, il vient d'écraser le moustique sur la table, c'est pas vrai. Il est énorme. Tombé dans. Ah bon. T'as tourné une vidéo. J'avoue. Ah, regarde. Objectif ouais. D'ennemi. Je pense qu'on en a oublié un sur le chemin, ce que je te dis. Ouais, ça doit être ça. À un moment donné, bon, et eh bien écoutez, c'est toujours aussi plaisant. Moi, j'aime toujours autant. Le limon vert de Primordia, raffiné par les trolls, extrait les fossiles des explodosaures préhistoriques. Il en émane une puissance inimaginable. Il manque encore la source éternelle. Il manque encore la quoi? La source, j'ai pas entendu. Mais qu'est-ce que c'est beau! Bah non, tech, on l'a fait avec, c'est le rouage. Mais tech éternel. Pourquoi Chaos il vient pas juste tout exploser avec une bombe comme il avait fait la première fois. Le limon vert brillant est à nous. Il nous faut maintenant la source secrète. On exploite le travail des trolls. Ouais, c'est cool. Je suppose. Ne m'insulte pas, on sait tout sur tout. Les rapports okay. Ainsi que les trolls gardent la source tech éternelle dans la sens. Ouais, t'as bien raison. Malheureusement, ils s'en servent déjà pour créer tout un tas d'armes. Voilà pourquoi je viens prêter ma force. Très bien, merci on beaucoup. On y va, soldat. Allons arrêter Iron Man. On y va. Encore eux, j'en sais plus. Oh super, te voilà. Ah, encore j'allais ces fameux justement. Tranchées là. C'est bon, non, on peut changer d'environnement quand même. Là. Ils étaient pas très inspirés. Enfin, hein. Si. Ils sont coupés dans la première mais guerre ça va mondiale. Mieux maintenant que tu es là. Ouais, et moi je trouve que ça a vraiment rien de drôle ce genre de période. Ok, les trolls ont submergé nos défenses et nous sommes coupés de notre état-major. Okay. Il faut qu'on le rejoigne, mais on a peu de temps. Champ de bataille, d'accord. Bon. Eh ben c'est parti. Oh là là, mon dieu, mais c'est immense comme d'habitude. Les bombes elles explosent avant de toucher le sol. Ok, allez, moi je reviens en arrière comme d'habitude. Non, y'a rien de nouveau. J'ai explosé dans le. Comment il s'appelle? Ah, notre petit. Jill Runt, je crois qu'il s'appelle. Des comportements douteux peuvent attirer le feu ennemi et entraîner des blessures. Prière d'éviter les activités suivantes: tir à la corde barbelée, course sur champ de mine et jonglage avec des grenades, d'accord. En mode... C'est des... Ce sont des personnes très pragmatiques. Aïe, je suis mort. Ils font trop mal, eux. Oh, bah alors, déjà... bah qui je vais prendre? C'est dur comme jeu, en vrai. Hein. Non, c'est que je joue n'importe comment. Bah, ouais, moi, je prends quelqu'un qui est fort, alors. Ah non, on va prendre un mort-vivant. Puisqu'il faut la porte mort-vivant. On est en train de survivre jusqu'ici. L'aube est encore loin. L'aube est encore loin. Je vais me faire taper, moi. Ah bah voilà. À ton tour aussi de... Attends, voilà. Je vais montrer la petite caméra. Moi, je vais prendre lui. Ah. C'est le préféré de beaucoup de nos joueurs, quand même. Explosé. Explosé. Quelle référence? Je sais pas. Ah, c'est moi moche et méchant. Quand il est parc d'attraction avec des filles et du coup il sort son méga truc et voilà. Il explose tout. Très bien. Voilà. C'est dans le 2 du coup? Non, c'est dans le. Non, c'est dans le tout premier. Ok. Oh bon. Allez, on avance. Ah, avec les mains qui arrivent et tout. Les Skylanders liés à la mort sont plus puissants. Alors, qu'est-ce que c'est que le bazar ici?
on va passer par voir là d'abord. Bah, on n'a pas le choix de toute façon. Allez, moi j'ai envie de monter. Appuyer sur un bouton. Ah, ok, monter là. Ce qui ne sert à rien. Jumper là. Alors, de toute façon, vas-y, prends le chapeau et ensuite tu vas aller sur le bah truc oui, là-bas. Évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Oh, bah voilà, zéro originalité. Oh, plus 15 pouvoirs élémentaires, c'est pas mal. Tu fais plus 15 dégâts sur chacun de tes attaques. Non, je préfère mon chapeau de pirate. Allez, va. Mon tricorne. Salut Skylander! Tu tombes vraiment à pic! Oui, la bombe de l'infini là-bas, elle est loin. On essaie de franchir leur barrière, mais sans succès pour le moment. Non, reste implanté là-haut, tu vas pas y arriver, hein. J'ai quand même une bonne nouvelle. Ok, on s'en fout. Allez, on y va. C'est du respect. Merci, merci. Non, mais c'est qui les boss ici? C'est eux ou c'est nous, quoi? J'irai depuis le début, ils attendent toujours nous pour faire ça. Allez, vas-y, saute. On va tout casser. 1, 2, 3, 4. Oula, 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 ça rigole pas. Oh là là, alors non, ça va pas du tout. Je vais derrière mes os, moi, et j'arrive pas à quoi. Oh mon dieu, je me fais rouler dessus! Ils sont pas sérieux. Les boums, ça leur fout ça. C'est pas pratique avec la personne. C'est clair. Pourquoi ça tombe dessus? Si, si, c'est bon. Oh là là. Les mauvais! Vas-y, moi je suis derrière, je te chasse au train. Je fais moi. Ok. Aïe. J'ai pris. Oh, ok. Alors attends, je mets la caméra. Et attends, mais tu le vois attaquer notre petit bull run là? Parce que moi j'ai pas l'impression. Ah bah d'accord. Très bien. Ah super, on est déjà arrivé. Voilà, source de tech éternelle. Attends, moi je vais quand même prendre cette... Est-ce qu'on les tue aussi avec des bombes pour voir ce que ça fait? Ah ouais, viens, on se venge là. Petite vengeance personnelle là, allez hop. On peut dire là. Oui. Allez, la deuxième par contre, bah t'aurais pu sauter. Il est là, mais moi je me protège. C'est ce qu'on appelle un échec. Ah oui? Waouh, ce rayon d'explosion qui ne sert à rien. Au moins on aura tout nettoyé. C'est ça. Parfait. Regarde, on passe un vide à voler dedans. Je me fais enlever par les extraterrestres. Tu sais que dans Spyro, il y a ça en plus. Ah ouais? Ouais. Attends. C'est trop bon quand même. Il y a juste le fait de ne pas perdre des vies, mais ça c'est compliqué. 4 minutes aussi. Oui, mais ça c'est faisable. Vous vous rendez compte qu'on devrait le faire en 4 minutes et on le fait en une demi-heure. Non, là on l'a fait en 20 minutes. Oui, mais c'est parce qu'on prend le temps de tout explorer, d'avoir tous les trésors. En fait, les deux ne sont pas compatibles. La source tech éternelle, le réceptacle de toute la science et de la raison, tout à l'opposé de la magie du cœur de lumière. D'accord. Ah, d'accord. Il fait de plus en plus nuit, hein, toutefois. Ça va être quoi? Ça va être une grosse lampe? Alors qu'on est qu'au niveau 13. Malgré tes colossaux échecs, à l'instar de la perte stupéfiante de la source tech éternelle, je suis assez optimiste. Et tu sais pourquoi? Non. Non. Parce que... les ténèbres sont toujours plus puissantes. Elles se répandent sur tous les Skylands. Bientôt, rien ni personne ne pourra les arrêter. Tu sais ce qu'on dit. Matin, Skylander en danger. Personne ne dit ça, en fait. C'est comme avec le moustique. Ah! Tous les tyrans, ils pouvaient mourir comme ça. Ah oui. Super. Mais tu sais que George Bush, il a failli s'étouffer avec un vrai zen. Non, je savais pas. Mais c'est pas un tyran.
Alors. Ok, je suis un grand général, mais si le surnaturel entre en jeu, moi, je me tire ailleurs, si j'ose dire. C'est je me tire ailleurs. Mais mec, t'es un robot qui parle et t'es du surnaturel. Le général n'a pas je tout me à tire fait ailleurs, le jeu de mots, si je néanmoins, les esprits des morts vivants ne viennent ici que si quelqu'un les dérange sérieusement. Tu devrais enquêter je dessus. Je suis un mort vivant. Ce bruit vient de la plage. Encore ? C'est pas possible. Hein. C'est comme dans Astérix. Ah, on est fusionné. Ok. D'accord, tout va bien. T'es un peu dans ma culotte là, je me pousse hein, parce que ça va pas du tout. Voilà. Très bien. Allez, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux dire un petit mot, sinon. Bon, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous. Et... passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, si vous êtes en vacances, toujours de très bonnes vacances, on espère. Continuez les retours et c'est toujours super sympa que vous nous suiviez. Ouais, et merci de nous soutenir jusqu'au bout. Allez, à très bientôt, peace out.